Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je devais revenir ce matin, puis tout à fait, j'attendais un colis, donc je pouvais pas monter là-haut. Voilà, il n'y avait personne pour accueillir ce colis que ma fille avait commandé. Voilà. Si j'étais pas en bas, donc j'ai dû rester en bas. Le colis venant d'être livré, je viens vous faire la guidance de la semaine. Allez, alors, pour la semaine du 26 juillet au 1er août, s'il vous plaît. Voilà, alors. On a déjà, vous voyez, la toile d'araignée, mais c'est l'été à l'envers. D'accord? Distraction, inattention, piège. Bon, il faut quand même faire attention à ce piège qui sont en train de vous monter. Maintenant, sachez que ce passe-partout, on va vous dire qu'il a été accordé par la nanana, et ce n'est pas vrai. D'accord? Regardez, voilà, l'été, hein, avec l'itan, on a la récolte et l'abondance, donc quelque chose de mieux. Il y a quand même juste en dessous le lièvre, hein, transformation, indépendance et liberté rapidement. D'accord? Donc ça, c'est qu'un piège. Ok? N'ayez pas peur, soyez. Et la carte d'en dessous, tiens, c'était la coupe. Voilà. Donc la réussite. Allez, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire pour la semaine du 26 juillet au 1er août? Alors, ce qui se passe actuellement, d'accord? Les conseils sur ce qui se passe actuellement et futur proche. Alors. Guidance de la semaine. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez toutes les cartes, oui, il me semble. Voilà. Alors, hop. Ça, c'est les conseils, on va les prendre après. Voilà, regardez. Au présent, d'accord? Donc maintenant, voilà, vous voyez, c'est le chaos. C'est normal, ça doit changer, d'accord? Il y a le choc et la ruine. Il faut que ça tombe pour qu'on puisse recommencer quelque chose de nouveau. Ensuite, on a le balai, nettoyage, nouveau départ et volonté. Il faut être volontaire pour nettoyer tout le mal, ok? Voilà. Mais bien sûr, ça va provoquer le chaos, hein? Mais on ne change pas on ne saura pas changer si on reste sur ces bases-là, d'accord? Voilà. Alors, on a l'ancre. Stabilité, sécurité, réalisation. Il faut que vous restiez ancré, il faut que vous restiez confiant, d'accord? Il faut que vous ayez confiance surtout en vous-même. Et on a le crapaud. Fierté, honneur, beauté cachée. Il faut que vous compreniez que aussi vous avez des capacités. On a tous des capacités, d'accord? À condition de rester ancré, à condition de bien. Voilà. Comprendre que tout ça c'est du charabia et que c'était prévu pour que ça change. Ok, alors les conseils. On a l'étranger, mystère, inconnu et hasard. Quelque chose qui va se passer par hasard. Et on a l'acmé, force, protection, aide et rituel. Il faut, je vous l'ai dit hier encore, il faut vraiment, vraiment, vraiment continuer. Les purifications, d'accord? Et les bougies, les demandes à l'univers, tout ça, d'accord? Ça, c'est vraiment important. Il faut aussi que vous compreniez que vous avez plus de force que vous ne le pensez, d'accord? Il faut vous protéger de leur plan. Alors,
pour le futur proche. Donc là, c'est un tirage semaine, ok? On a la porte, opportunité, curiosité et découverte. C'est à vous, surtout, à faire les bonnes recherches. Il va y avoir quelque chose qui va se présenter à vous, que vous allez découvrir et qui va être bien pour vous parce qu'à côté, on a le guide, qui est l'affection, la romance et un cadeau, d'accord? Donc, ça va être un cadeau pour vous, une opportunité qu'on va vous offrir. Donc, il ne faudra pas la laisser passer. On a le berceau, vous voyez, nouvelle vie, occasion et responsabilité. Il va falloir que si vous voulez que tout ça change, il va falloir aussi se remettre en question et prendre ses responsabilités. On a ensuite les escaliers, donc l'ascension, promotion et motivation, d'accord? Donc, si on veut aller vers quelque chose de mieux avec la promotion, l'ascension, d'accord? Il va falloir aussi qu'on se motive. Qu'on prenne nos responsabilités, qu'on soit motivé, d'accord? Et on a le pentacle, protection, préservation, sécurité. Il va falloir vous protéger, d'accord? Voilà, il va falloir vous préserver de ce qu'ils essayent de vous imposer, ok? Vous protéger et rester en sécurité, voilà. Donc voilà, pour ce jeu, maintenant, on va demander... Alors, on s'en regarde, Jacques, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour la semaine du 26 juillet au 1er août, s'il vous plaît. Il y en a beaucoup trop, hein. Bon, on verra bien. Allez, on va peut-être les prendre quand même. Alors, on a le pardon. Abandonnez vos ressentiments. Vitalité, il est temps de changer certaines habitudes. Vous voyez, je vous le dis, hein, d'accord? Compréhension, vivez en harmonie et avec les autres. Je vous dis toujours, il faut rester soudé, d'accord? Dans l'amour. On a l'harmonie. L'harmonie dépend de votre relation avec l'univers. Donc voilà, il faut continuer à demander la protection de l'univers, il faut pas oublier d'allumer ses bougies, il faut, on peut faire des lettres à l'univers et tout ça, on peut parler, enfin voilà, il y a plein de choses à faire, d'accord? Prenez ce qui se passe avec humour, d'accord? Il faut garder le sourire, c'est pas la peine d'avoir peur, ok? Parce que tout ça, c'est pas possible, voilà. On a la charité, occupez-vous davantage des autres. Alors là, je pense qu'on vous dit de vous occuper davantage des vôtres, d'accord? De votre famille. Alors, on a la sincérité, donc il faut regarder à l'intérieur de soi, d'accord? Voilà, on a les réponses en nous. Et on a la protection, il n'y a rien à craindre, d'accord? Voilà. Donc, on a des choses à comprendre. D'accord? Il va falloir rester fort. Il va falloir qu'on change quelques habitudes. Ça, voilà, malheureusement. D'accord? Il faut garder le sourire. Il faut prendre ces annonces-là avec humour. D'accord? Il faut rester en harmonie. Avec aussi la protection. Voilà. De l'univers, il faut être aussi, voilà, dans l'entraide. Alors, on va demander, communiquer avec votre ange gardien. Alors, qu'est-ce que nos anges gardiens ont à nous dire pour la semaine du 26 au 1er août? S'il vous plaît. Alors, on va faire une coupe. Les professeurs d'âme.
La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils sont des réponses pour toi. Et c'est vrai, vous rencontrez jamais personne par hasard. Alors, tu es puissant. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de le transformer. Toi, oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. D'accord ? Donc vous avez vu qu'il va falloir changer nos habitudes et tout ça. Eh bien, regardez, là, on vous dit que vous pouvez le faire et que si vous avez envie de le faire, votre ange gardien est près de vous pour vous aider. Voilà. Alors, ensuite, on va demander au guide. Alors, s'il vous plaît. Alors, faites que chaque jour compte. Ça veut dire qu'il faut que vous vous fassiez des plaisirs, d'accord? Il faut que vous ayez, malgré, je sais que c'est pas facile, ben, il faut que vous faites des choses quand même chaque jour qui vous fassent plaisir et qui vous donnent des énergies positives et que vous pouvez vous rappeler quand vous n'êtes pas très bien. Voilà. Alors, ensuite... Ah, mon autre jeu n'est pas là. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Voilà, alors, hop, on va demander l'archange Michael, hein, s'il vous plaît, quel message avez-vous à nous donner pour la semaine du 26 juillet au 1er août? Respectez-vous. Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entourée de personnes douces et aimantes. Voilà, donc surtout de rester dans l'amour, d'accord? Dans l'entraide. Voilà. Alors, attendez, je voulais prendre l'autre jeu des guides. Hop! Voilà. Que j'avais oublié de préparer, voyez-vous? Alors, s'il vous plaît, les guides. Pop, pop, ça y est, c'est tombé. Alors, on a honte, guérisseur divin. Et on a à côté les inventions, guide de la créativité. Voilà. Alors, certaines personnes auront honte certainement d'avoir pris des décisions trop hâtives, d'avoir cru à des choses... qu'on a dit qu'ils étaient obligés, alors que ce n'est pas vrai, d'accord, c'était que des inventions, mais aussi, voilà, on va rentrer dans un moment où on va, je vous dis, hein, créer des comités, créer des groupes, voilà, ok. Alors, s'il vous plaît, quel message pour la semaine du 26 juillet au 1er août. Oh. Alors, on a
mort, ange gardien, et on a décision, le moi supérieur. Je pense que, voilà, il va falloir prendre des décisions pour qu'on mette fin, pour moi la mort, hein, d'accord? Pour qu'on mette fin à cette bêtise humaine, voilà. Il va falloir aussi sortir de son déni, d'accord? Voilà, et si on sort du déni, vous voyez, on pourra avancer et célébrer notre réussite. Il y aura la célébration. Alors, on a la survie et l'ombre. Tous deux des guérisseurs, d'accord? Guide guérisseur et guérisseur divin. Ce qui veut dire pour moi que si on veut survivre, hein, voilà, et ben il va falloir sortir de l'ombre, il va falloir qu'on s'impose, d'accord? Il va falloir qu'on prenne des décisions. Ok, ça c'est très important. Voilà, ce que je peux vous dire pour la guidance de la semaine. Je vais venir après vous faire votre petit tirage, comme d'habitude. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à tout à l'heure.